Hola, hola, soy Oscar Mármol, estudiante de francés 2 del programa multilingüe de la Universidad de Antioquia y nuestro video va a tratar acerca de Lucy, una colombiana y su experiencia de intercambio en París. Que lo disfruten. Salut, je suis Lucien, mon seul monde m'appelle Lucy. Je viens de Medellín, j'ai étudié l'art plastique à l'Université d'Antioquia. Mon raisonnement, une opportunité que j'ai attendu depuis que j'étais à l'école. Opportunité qui m'a amené à étudier actuellement aux universités Beaux-Arts de Paris. Depuis mon enfance, je rêve de vivre en Europe. J'adorais son développement culturel et ses passages urbains et naturels. En grandissant, je suis tombée amoureuse d'un pays en particulier, la France, car au-delà des stéréotypes qui l'entourent, les rumeurs selon lesquelles ses habitants ne s'éloignent pas, c'est à mon sens un pas très droit, avec une grande diversité culturelle et d'une admiration pour les arts enviables. En grandissant, je me suis forgé un rêve. J'ai appris l'anglais et je suis entré à l'université d'Antioquia pour étudier les beaux-arts. Je savais que je devais faire un gros effort si je voulais accéder aux possibilités d'échange qu'offre l'université. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai obtenu une bonne moyenne, ce qui m'a permis d'entrer dans les programmes multilingues pour apprendre le français gratuitement. Et grâce à mes efforts et à mon dévouement, lorsque j'étais au 8e semestre, après de nombreux filtres, j'ai demandé une bourse pour faire mon double diplôme à Paris. J'ai postulé à cette bourse avec beaucoup d'attente et après, les choses ont changé très rapide. J'ai d'abord dû présenter mes examens de suffisance de langue étrangère pour certifier l'anglais et le français. Ensuite, j'ai dû assister au groupe de conversation en anglais et français pour pratiquer ma prononciation et pouvoir partir avec toutes les exigences à réaliser mon rêve d'étudier à Paris. Quand je t'apprêtais à écrire, écouter, prononcer, je commence le processus de visa d'études à long terme. Je rassemble toute la documentation et effectue toutes les démarches nécessaires. Lorsque je suis satisfaite à toutes les exigences, ils en approuvent mon visa. Je vais tout prêt pour réaliser mon rêve d'étudier en France. Tout ça riche, historique et culturel m'attend. Mardi, le jour du voyage, je me suis réveillée à Pionsius. Je vois que le jour de l'aventure est arrivé. J'ai appris le petit déjeuner, je me suis baigné et je me suis habillé. Je suis parti avec ma famille à l'aéroport. Je suis arrivé très tôt depuis de rater mon vol. Quand j'ai dit au revoir à ma famille, j'ai ressenti de nombreuses émotions. Un peu de la nostalgie, de l'angoisse et de la curiosité. Je suis monté à bord de l'avion directement pour Paris. Poursuivant mon rêve de découvrir trois ces cultures françaises. Le voyage a duré environ 12 heures. Pendant la meilleure partie du voyage, j'ai laissé des rochers et des lieux d'intérêt. Quand j'ai entendu les bienvenus dans les villes de Paris, à l'époque Charles de Gaulle, je ne croyais toujours pas. En regardant autour de moi, tout me semblait normal, mais j'étais dans les nuages. Je suis enfant à Paris. En arrivant à Paris, j'ai pris un taxi jusqu'à la maison où je les loge. Les maisons de Monique et Jean, parents de Mimi et Robert. Je suis arrivé et m'ont accueilli chaleureusement. Après une discussion avec eux, j'ai décidé de dormir car j'étais très fatigué par le décalage horaire. Je voulais me lever tôt pour me retrouver, mais j'ai dormi la majeure partie de la journée, que Mimi Monique a eu peur et a frappé très fort à la porte. J'ai expliqué ce qui s'est passé. Et je me suis vite arrangé.
Je ne pouvais pas croire que le premier jour, je serais en retard. Quand je suis descendu les escaliers, j'ai été surpris par un petit déjeuner de bienvenue. Pain perdu, une baguette fraîchement sortie du four et un café. Bien que pas aussi bon que celui que j'avais pris avant de partir. J'ai pour le super petit déjeuner, Dieu, je vais éclater. J'ai pensé en finissant. Je me suis levé de table et j'ai dit au revoir en remerciant les gestes de bienvenue. J'ai revérifié l'itinéraire du tramway que j'avais prévu avant l'endroit où je rencontrerai mes camarades et l'académie. J'ai eu quelques doutes, mais Monique m'aidait à me localiser. Quelques secondes se sont écoulées en dehors de la maison pour réaliser que je me sentais complètement bizarre et désorienté. L'horloge était à 9h10 et je devais être au rendez-vous à 9h et je pensais que ce serait différent. Je ne peux pas nier que Monique a fait de son mieux, mais j'ai tout oublié. Alors, j'ai décidé de jouer avec les chances. Je suis monté au train à la gare de Chantou de Vincennes et comme plus à con, l'Ignat n'arrive à sa station. J'ai été très heureux. Ou confusion en moi. La voix dans le train a mentionné l'itinéraire et chasse. Je écoutais les noms mélodieux, les Louvre, mon lieu d'art préféré dans le monde. Et je me suis souvenu de la référence de Madame Monique. À peine j'ai été voyant, j'ai salué avec beaucoup d'enthousiasme. Seule une personne est retournée pour me regarder et elle a souri. Je me suis senti comme un enfant curieux. Alors, je n'ai pas fait attention. Après un court trajet, je suis arrivé à ma destination, la gare du Louvre-Rivoli. Je suis descendu et j'ai senti un courant traverser mon corps. J'ai toujours rêvé d'aller dans cet endroit merveilleux, voir la Gioconda. Quel moment magique, je dis à haute voix. Une fois à la porte, j'ai pu constater que la photographie ne correspondait pas à la beauté de son architecture. Je suis entré et au kiosque d'information. J'ai demandé à Amélie Dupont, qui serait chargée de me donner une brève introduction. J'ai attendu 5 minutes et elle est venue à l'entrée pour moi. En général et pour les gens, j'étais très impressionnée parce qu'en Paris, le système évaluatif était si différent de celui que nous avons en Colombie. Ils s'évaluaient une fois à la fin du cours, mais ils n'évaluaient pas les cours impartiels, raison pour laquelle j'avais un peu de peur d'affronter quelque chose de différent. Toutefois, j'étais fascinée pour cette grande ville cosmopolite Paris, la ville des arts et de l'amour, pleine de jeunes du monde entier avec des idéologies différentes, mais enrichissantes. Ma première classe et ma première impression avec les camarades a été autre choc culturel que j'ai eu, parce que depuis le point de vue d'autres latinos, les Français sont très froids, sérieux et formels avec eux. Tout le monde sait à propos de vous. Et pouvoir s'approcher doit être un grand défi. Bien, toutes les relations que j'ai eues avec les Français semblent en relation exécutive pour tellement de formalités. Mais éventuellement, j'ai appris que ça est une culture et qu'à l'intérieur, ils ne sont pas très sérieux. Au milieu de toutes les précieuses adaptations, je me souviens d'une kiffeur que j'ai sentie quand mon camarade de classe Rémi m'a salué avec la bise, le double bisir français. Bien sûr, je vais étudier les langues françaises. Voyager en France était mon rêve pour nombreuses années. Mais quand Rémi s'est approché vers mon autre jeu dans un mouvement étrange, je l'ai donc ambitieux. C'est tant que j'ai ressenti ce jour-là. Heureusement, il a compris les situations et encore nous en rions. L'habitude au climat a été très difficile.
ce n'est pas comme à Medellín. Passer du climat tempéré avec des vêtements d'été. Je n'ai pas pouvoir respirer avec couta de vêtements. Parce que dans l'hiver, la température est très basse et peut attendre 3 degrés Celsius. Donc les changements ont été difficiles pour moi, mais petit à petit, je me suis adapté. À Paris, les gens ont le retour de fabrique de vélo contrairement à Medellín côté pour des gens le font au quotidien. En plus, tous ces changements, ça m'a appris à identifier et à connaître les caractéristiques qui m'identifient à mon pays natal et qu'en étant immergé en lui, je n'avais pas vu. Cela a été un apprentissage intérieur et extérieur. J'ai appris de nouvelles expressions à avoir dans mon placard de vêtements pour chaque saison, visiter des musées pour enrichir mes connaissances dans l'art, perfectionner mon français, contempler l'architecture des maisons et des bâtiments, utiliser les vélos comme mon moyen de transport et beaucoup d'autres choses qui sont de connaître si tu décides de vivre ces expériences. Cela était mon processus en France. Je suis très heureuse d'être ici, de connaître et d'apprendre de nouvelles choses. Sa culture m'impressionnait de manière positive et j'espérais m'habituer facilement. La nourriture est très riche et les gens très décents. J'espère que de nombreuses personnes pourront réaliser rêves en récession, personnellement et académiquement. Rêvez-vous dans les villes de l'amour. Sous le ciel de Paris, jusqu'à ça vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rumeur de sa Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accord.